Est-ce que ça arrive beau à étudier médecine? Et puis, il y a un voisin pour la caillou. À chaque fois que il y a un malaise, c'est beaucoup trop venir expliquer au problème, au lieu que la loi est un médecin. Idem pour nous-mêmes qui avons étudié informatique. Est-ce que ça arrive au voisin pour la caillou? Même battre téléphone, il n'y a pas de chance pour ton venir. Bonjour, bonsoir. Je vais demander l'ouvrage de regarder vidéo ça. Non, pas c'est Jean Duquin, ça, ça, non. Moi, c'est un étudiant en sciences informatiques, mais un étudiant qui finit dans la phase licence et master 1 et qui va entrer dans la phase master 2 en sciences informatiques, côté que nous parlons de master en big data et intelligence artificielle. Moi, je viens partager avec vous une expérience que moi, j'ai fait dans un bootcamp qui était organisé par Code 9 Classe. Dans quatre bootcamps, ça a été réalisé un sondage côté que moi t'as essayé ouais qui intérêt mon gain pour langage de programmation et technologie. D'après sondage ça m'était fait à bral montrer moi t'ai attends un peu. OK. Avant tout moi t'ai ça c'est donné moi t'ai exploité de sondage là, OK, moi côté moi t'ai utilisé Panda pour te faire des analyses sur lui. En bien, première distribution m'a généré du graphe, ça m'a été fait, c'était une distribution par genre. Côté que moi, t'avais remarqué que il y a plus de garçons qui sont intéressés par sciences et technologies que filles. Là, dépendamment de Pie Chat, ça nous est là, ou capable voir que nous, dans le sondage, dans la quantité de monde qui te répond à ce sondage, moi, j'ai 80% garçons et 20% femmes qui intéressé à technologie. Et après, moi t'apprends identifier intérêt ou par groupe d'âge. À partir de quel âge ou joindre intérêt dans sciences informatiques? Ça veut dire à partir de quel âge moun sa yo ou même yo commencé lancer yo pour prouver intérêt ou dans sciences informatiques. En bien, dans sondage moi moi t'ai trois groupes d'âge qui m'ont été metté pour me collecter données yo. Moi, j'ai 18 à 22 ans, 23 à 27 ans et 28 à plus. Et d'après sondage, moi, c'est dans tranche d'âge 23 à 27 ans que moun yo plus intéressé, fille ou garçon, yo intéressé à technologie. Là, c'était une moyenne d'intérêt, OK? Ça dit, c'est un score, average interest score, qui veut dire intérêt moyen. Ça dit, c'est un score d'intérêt moyen, côté que dans tout le monde, moi, j'ai quitté. Qui t'es rempli sondage là, moi t'es jeune que c'est 20, 23 à 27 qui plus intéressé par technologie. Ça veut dire que c'est groupe d'âge ça qui plus intéressé par technologie. Pendant ce temps, l'autre tranche d'âge qui pas trop écarté de ça. Là, nous gagnons tout là, gagnons moyenne de 4, mais ça gagnons moyenne de 4 points combien qui cause que lui nettement plus grand par rapport avec l'autre. Et ensuite, troisième point, d'après le couvrir dans données ça, tu as différentes questions que je t'ai posées. C'est trois points que nous t'ai fixés. Troisième point, c'était regarder quel langage de programmation qui est plus populaire, okay, par rapport à tout langage de programmation qui existait de nos jours. Mais d'après le sondage, nous avons gagné plusieurs langages de programmation, côté que nous avons gagné Python, SQL, JavaScript, Java, PHP, C++, entre autres. Moi, t'ai compté parmi le nombre de monde qui t'ai rempli le sondage, ça, moi, t'ai fait un 40. Sous langage ça, et bien, moi, j'ai réalisé que nous avons gagné à peu près 23 ou 24 fois que Python te paraît dans le sondage. Avait dit, premier langage le plus utilisé de nos jours, c'est Python. Après ça, nous avons SQL que nous utilisons pour base de données, nous avons JavaScript, Java, PHP, entre autres. OK? C'était ça, moi, j'ai gagné pour partager avec nous. Merci beaucoup.